et bonjour pour un nouvel épisode de Baton Kaitos. On est arrivé au château en ayant piqué une espèce de nacelle là, juste sur la droite, au nez à la barbe des gardes, et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que ces salopards, ils sont en train d'assiéger le château et foutre à feu à sang avec leur machine de merde. Donc on va leur foutre une tôle. Libéré, tu es venu. Tu nous as surpris à débarquer comme ça aux commandes d'une navette impériale. Les soldats impériaux sont déjà à l'intérieur. Je dois monter d'ailleurs, je t'en prie, va vite sauver le roi, il se trouve dans le château. Il va. Ici, à part là. Ah, eh, oh. Manu est là. Un truc caché. Une tenue de Manus, masque de l'infini. Qui c'est? Un masque. C'est un truc... Fouiller mes camarades, ils tiennent un chèque et soldats impériaux à l'intérieur. Ouais, ben, on va le faire, mais pas envie de rater une quête comme j'ai déjà raté. Dépêche-toi, Guibari, le roi se trouve toujours à l'intérieur, il y a eu gros d'impériaux, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir détenir un échec plus longtemps. Cheliac se trouve maintenant sous leur contrôle, si nous les chevaliers avions été suffisamment forts, cela ne se serait jamais produit. Le peuple d'Yéden ne se rendra jamais, même si nous perdons la guerre. Jamais! Ouais, attends, je vais leur foutre une tôle, moi, aux espèces de machins. Qu'est-ce qu'ils ont? Retour des épées. Petit Magnus. Tenez le Magnus épée obscure. Ouh, celle-là, je la sens bien, ça. Une petite épée. Pas pour lui, pas pour lui. Pour moi. 55, 36. Pour un petit truc, là. 8 ans, là. 4-3, là. Au revoir. Voilà. Vous voulez savoir comment déployer vos chevaliers? Qu'en pense-t-on ça? Oui, j'aimerais savoir. Si vous ne voyez pas de compliments, nous aimerions savoir plus. Laissez-moi vous expliquer. Un peu plus loin, vous sautez dans des combats opposant les chevaliers aux soldats impériaux. En prenant ce chevalier sous votre commandement, vous pourrez les envoyer se battre. Si la force de tous les chevaliers est supérieure à celle des impériaux, les chevaliers gagneront. Ouais. Mais si les soldats impériaux sont plus puissants que les chevaliers, ces derniers seront vaincus. Et les soldats impériaux pourront s'en prendre. Notre mission est d'éviter cette situation et de mener les chevaliers à la victoire. Quand vous manquez d'hommes, envoyez le blason de Dédène pour obtenir des renforts. Si vous rencontrez des chevaliers qui ont perdu la volonté de se battre, utilisez le blason pour les motiver. Quand des chevaliers renoncent au combat, ça ne peut être que des façons temporaires. Il reste les chevaliers de Dédène, ils sont en route de continuer. Les conseils que tu peux vous donner, voulez-vous, je répète. Le monde verra. Devant, il s'agit du blason de Dieter. Et là, qu'on peut capturer cette essence du blason de ici. Oui, oui. Oui. On prend le blason. Ah, c'est vrai. J'ai pris deux fois. J'ai deux fois du sel. Allez, on jette le sel. Allez, on a capturé le blason. Il n'y a rien d'autre sur les murs là, qu'on puisse capturer. Par un petit truc là. Non, non. Bon, Toto, on y va. Ce n'est pas vrai, tu as réussi à démarrer, je serai heureux de te revoir. Vampire, alors si nous foncier les pierres, pourquoi il a pu pénétrer si loin dans le château? Notre roi est en danger, je vous en conjure, protégez-le. Les hommes tentent d'empêcher les impériaux de prendre le contrôle de l'ensemble du château. Je vais y dire, nous sommes les pires combattants, nous ne se laisserons pas abattre. Nous
sommes jamais à l'abri d'une nouvelle surprise, je mets 4 chevaliers sous vos ordres. Si d'autres chevaliers sont en difficulté, déployez vos hommes. Pour le premier CFG, le blason diadème et un magnum vert. Oh super. Ça percevait un blessé qui ne veut plus combattre, montrez-vous ce blason. Il se relèvera sur le champ pour vous aider. Le blason du diadème est accroché à son mur, finalement, si vous avez besoin d'aide. Vous voulez savoir comment diriger vous un qui se trouve à côté de moi, j'ai confiance en vous, vous voyez, c'est notre roi. Je l'avais déjà. Ah merde. C'est deux fois maintenant. Je vais vous faire ainsi, ce que vous avez vraiment besoin d'intervenir. Merci pour votre aide, je vous en supplie, des Nokeras en prenant des combats un peu plus bas. Ah oui, prenez ça. Le bonus papillon. Ah, c'est bien ça, c'est pour du mal. Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah. 25 hectares de diadème. Flash ténébreux. Vous savez bien qu'il y avait des trucs à chercher. Flash ténébreux. Ok, pioche. Ouais, ça fait plus de dégâts ça. C'est pour ça que je t'ai demandé. Ah, je me fais avoir encore. C'est trop loin, c'est pour ça. 30, 36, 16. Je vais m'apprendre 2 de plus. 5, 30 contre 15. On devrait voir un pont menant en haut depuis ce balcon, mais il est avec la vue depuis l'autre balcon de l'autre côté, vous pouvez peut-être le voir. Et... Je vais vous sortir, je ne fais rien, nous devons intervenir. Envoyez des chevaliers. Pour le roi, allons-y. Ouais, on va se les farcir. Bah, quand même. Alors, toi, tu vas te prendre ça, une canne à pêche. Un petit coup de feu. Oh, il est toujours debout, lui. Avec 115 points de dégâts. Ok. Un épée obscure. Mange ça, mange ça. Un petit truc comme ça. Et ça. Hey,
crocodile. Blue storm. Voilà, il y a des gens en moins. Quand même, chier. Moi maintenant j'ai 536. Tiens. Paf. 160 points. Mais donc 200 points dit, c'est le bio. Pour les prochains combats. Hein. Ok. Toi tu prends ça. Toi tu prends ça. Tu prends ça. Et tu prends ça. Oh, j'ai encore des faibles trucs. Voilà. Voilà. C'est mieux. Je vais prendre une petite brochette plutôt que leurs photos. Et si nous avons soigné des blessés dans cette pièce, ils ont pu être allés plus loin, on aurait résisté un véritable désastre. Est-ce que c'est vous? Tchou! Et tchou! 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 Et ça! Ah, tu vas pas t'en relever, ça! L'orage! Oh, il l'a bloqué, salopio. Il a presque plus de vie. Is that all? 4 fois la vie, et puis il m'a fait mal. Je meurs, je peux plus soigner. 115 au lieu de 20. Bon. Bon, toi. Tiens. Tiens. C'est celui-là, on va jamais essayer l'éclair spirituel. Voir ce que ça donne. Relève-toi, prends ça, Toto. Ok, flèche ténébreux. Suis-je encore en vie? Nous avons soutenu leur force. Celui impérial en armure noire semble deux fois plus fort que celui en armure rouge. Nous sommes mes camarades et pourtant quand ils se battent contre les soldats en armure noire. Et je peux pas relever. Ah, il veut quoi? Sa hauteur de jeu, sa texture est élaborée, très particulière. Nous on fait de la vie du musée pendant que les autres sont en train de se faire latter, mais ce tableau intitulé Enfant du paradis, sa texture intense est très particulière. On s'en fout. Arrogant, particulier, c'est bien à bord. Cri des ténèbres. Pour les massacrer eux.